J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul. Donc c'est un haul en collaboration avec Cupshe où j'en ai déjà parlé. C'est une marque de maillots de bain et de vêtements de plage. Alors là nous sommes un peu en hiver, on se dit pourquoi tu vas nous présenter des maillots de bain? Tout simplement parce qu'ils m'ont proposé une collaboration un peu plus originale. Ils m'ont proposé de parler de tout ce qui est amour de soi, le girl power, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce style de vidéo. Donc ils m'ont proposé aussi de faire une petite sélection sur leur site. J'ai beaucoup aimé les nouveaux maillots de bain qui est proposé. Donc ça varie beaucoup leurs maillots de bain. Tous les mois ou voire même toutes les semaines, ils sortent des nouveaux maillots de bain et ils sont vraiment très très bien. Vous pouvez aussi les retrouver sur AliExpress, ils ont aussi leur page sur AliExpress. Donc des fois les prix sont différents, mais la durée de livraison est plus longue sur AliExpress que sur leur site. C'est vraiment des très très bons maillots de bain, ils sont à la même qualité que comment ça s'appelle, les Little Marcel, les choses comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc tous les maillots de bain sont dans des pochettes comme ceci. Moi ça m'est vraiment utile parce que quand je vais à la plage, à la piscine ou je ne sais quoi, bah je remets directement le maillot de bain mouillé à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pratique, on se dit oh, pour l'écologie c'est pas top, mais vraiment c'est, pour moi c'est hyper pratique. Une petite pochette comme ça pour mettre son maillot de bain mouillé ou autre, j'adore. Donc je vais vous montrer tout ça, je ne les ai toujours pas porté, essayé sur moi, donc je ne sais pas si ça va. Donc je vais vous montrer à chaque fois juste après ce que ça donne sur moi. Tous les maillots de bain je les ai pris en taille M. Alors moi j'ai pris un maillot de bain comme ceci, vous pouvez voir qu'ils sont hyper originaux, vous allez trop kiffer. Donc c'est un maillot de bain, le haut est comme ceci, là en fait à la fin du bonnet on va dire, vous avez des petits, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est hyper joli, genre sur la peau ça va faire trop beau. C'est magnifique, le bonnet est très bien, la qualité est au top, vraiment j'adore. Et vous avez la culotte avec, c'est une taille haute je crois, je vais essayer ça tout à l'heure. Et pareil, vous avez toujours les mêmes détails avec les petites vaguelettes, on va dire ça, au niveau du ventre, ça va faire super joli. Donc voilà, très très beau, je vais essayer ça tout le monde. Donc au niveau du soutien-gorge, c'est pile poil pour moi, mais si vous faites plus d'un 85B, 90B, ne prenez pas celui-ci en taille M, prenez-le plutôt en taille L. Là c'était un peu juste pour le passer. Et au niveau des bretelles c'est aussi pile poil à ma taille en fait. Donc si vous faites plus que ma poitrine, prenez une taille au dessus. Et pour la culotte elle est très très bien. Après il y a juste un petit hic au niveau du maillot de bain. C'est les, vous savez, les petites vaguelettes comme ça. C'est pas très doux au niveau des coutures, donc ça gratte un peu. Donc celui-ci je mettrais un 7 sur 10 par rapport aux coutures en fait sur les côtés. Ça gratte un peu je vous avoue. C'est la première fois que je teste leurs vêtements sur Cupshe. C'est des robes, des petits vêtements de plage vraiment super beaux. J'adore vraiment leur collection. Et là j'ai demandé quoi? Ah oui j'ai demandé une petite robe. Elle est trop mignonne. La couleur elle est trop belle. Regardez c'est trop beau. Genre ça va trop bien avec mes cheveux qui deviennent roux. Mes cheveux c'est une catastrophe. Vraiment trop jolie. Après la matière est très... très très fine, mais c'est des vêtements pour aller à la plage donc c'est normal. Je mettrai pas ça en hiver avec des collants, je mettrai plus ça au printemps, en été quand il fera 20 degrés. Elle est trop jolie, la couleur elle est trop belle, c'est assez fluide. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Si vous entendez les gosses, comme d'habitude, je ne peux rien faire pour ça. Mais c'est dingue! Je vais vous montrer la robe, elle est vraiment trop trop belle. Donc j'ai mis mon maillot de bain en dessous. Et franchement on voit pas trop, enfin il est... En fait je pensais que c'était un peu plus transparent que ça, en fait pas du tout. La coupe elle est vraiment trop mignonne, enfin je sais pas, j'adore. En plus les manches elles sont bouffantes, j'avais pas vu ça. C'est trop chou. Validée, cette robe est vraiment trop trop belle. Je suis trop contente. J'adore leurs vêtements, je pensais pas que c'était d'une aussi bonne qualité, tu vois. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, les prix, etc., les tailles, etc., tout ça en barre d'infos. Ensuite pour le second maillot de bain, archi beau putain, oh la vache. Oh, ah ça rend pas pareil à la caméra, mais il est... Oh, si ça rend bien, ça rend un peu plus flashy, le bleu est un peu plus foncé en vrai, mais il est archi beau. Moi j'adore les une pièce et je trouve que les une pièce de base c'est très... c'est très mémérisant, c'est un peu simplé, c'est pas ouf, tu vois. Et eux, ils font une pièce vraiment, mais tellement tendance, tellement jolie, ça met vraiment bien ton corps en valeur. Oh là là, les petits détails là avec les petites fleurs. Oh, j'adore ça. Ça fait un peu royauté, vous savez. Et ça, c'est la ligne rouge, j'adore. Ça marque bien la taille. Oh, j'adore. Celui-ci, c'est un sans faute. Il est très, très bien. C'est vraiment bien. Enfin, je suis à l'aise dedans. Je suis vraiment bien. J'adore le côté bimotif. J'aime beaucoup. C'est super joli. Le dos est comme ça. Il est vraiment trop, trop beau. Oh, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre maillot de bain. Alors ça, je sens que ça va être une galère à mettre.
Ah non, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors là, en fait, c'est un maillot de bain, une pièce, toujours. Tiens, gorge, est comme ceci, j'adore les couleurs, c'est trop joli. Genre, sur une peau noire, ça doit être archi beau. Oh ! Ah, sur une peau noire, ça va être ouf. Hein. De toute façon, je vais vous le montrer après porter. Vous avez la culotte, donc c'est... J'arrive pas à vous le montrer. Donc la culotte est comme ceci et derrière, enfin c'est pas un string, hein, ça tient bien les fesses, etc. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et donc derrière, c'est pas un clip, c'est comme un bandeau. Ça j'aime bien moi les bandeaux. Après pour bronzer c'est un peu galère, mais j'aime beaucoup les bandeaux comme ça. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, j'adore sa coupe, j'adore sa couleur et tout, genre il est hyper bien. La culotte elle est vraiment très bien. Au niveau du soutien-gorge, je le trouve aussi un peu just, je sais pas pourquoi. C'est moi qui ai grossi des seins ou ça se passe comment là? Mais ouais, je trouve que c'est un peu just au niveau de la circonférence, on va dire. Donc pour celles qui font plus de poitrine que moi, genre un 95B, prenez la taille L en fait, parce que je sais pas, ou alors peut-être quand tu nages et tout, ça va se détendre. Ensuite un autre maillot de bain, oulala, là ça va être du rembourrage les enfants, hein. Là je sens que ça va être de la triche. Voilà le soutien-gorge, il est archi beau. Vous voyez pas grand chose encore une fois. Soutien-gorge est comme ceci, il est pas rembourré, mais tu sais, il y a une coque assez profonde, genre si tu remplis pas, je pense qu'il va être un peu grand pour moi celui-là. Ouais, parce que ouais, il est un peu grand, je pense, hein, on verra après. Et le dos est croisé. Et la culotte, vraiment gros coup de cœur sur la culotte, c'est une culotte taille haute. Je sais pas pourquoi j'aime bien les tailles hautes, je trouve qu'on est plus à l'aise, enfin je sais pas, moi je suis plus à l'aise en tout cas, je trouve ça plus joli aussi. Donc là sur les côtés vous avez les petites ficelles comme ça, je trouve ça hyper sexy, hyper mignon. Voilà, comme d'habitude c'est pas tanga, c'est pas on voit toutes tes fesses etc. Bon bah celui-là c'est un gros coup de cœur. Je pensais qu'il allait être trop grand au niveau du soutif, en fait pas du tout. Mes seins remplissent le bonnet, donc ça c'est bon. La culotte est vraiment trop trop belle, genre ça souligne bien en fait les hanches. Donc si vous avez des hanches un peu marquées et tout, je trouve ça souligne vachement bien, je trouve ça super joli. Et ça fait pas tanga et j'aime beaucoup. Ah oui, le dos je voulais pas montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est croisé en fait. Et c'est super bien parce que tu peux l'ajuster comme tu veux. Donc vraiment celui-ci, gros coup de cœur. Celui-là, foncé, hein, il est vraiment super bien. Au niveau des bonnets, c'est parfait. Au niveau de la taille, c'est parfait. Et la dernière pièce, ce n'est pas un maillot de bain. Ah ouais, c'est archi beau. Donc ça, c'est un kimono de plage, je crois. Donc c'est un kimono, il est hyper doux. Par contre, je connais cette matière-là. Elle se froisse très facilement. Alors ça c'est vraiment une galère. Après ça se repasse facilement aussi, mais ça se froisse vraiment facilement. Il est trop beau. Regardez-moi ces détails. Il est magnifique. Il est archi beau et ça va. Et sur la fin aussi vous avez les mêmes détails. La qualité elle est vraiment douce. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de partir en vacances, ça y est. Trop trop beau, je vais l'essayer. Et voilà pour le kimono, il est vraiment trop joli. Désolée si vous entendez les gosses. Il est vraiment trop trop beau, il est très doux, il est pas trop petit. Genre au niveau des épaules, bah je peux largement bouger les bras. Il est vraiment magnifique. Hein. Oh, vraiment super beau. Celui-ci, je valide à 3000%. Donc voilà pour les maillots de bain. Là, au moment où je vous parle, je ne les ai pas encore testés. Je vais les tester juste après. Je vais l'installer dans le montage, comme ce que vous avez vu. Je suis vraiment super contente des modèles. Ils font vraiment des modèles hyper stylés, hyper tendance. Et c'est pas très cher, c'est une 20aine d'euros. Quand on voit les prix, voilà, Pinky, Jennifer, c'est 20 euros. Mais la qualité est tellement moindre en fait. Voilà, elle est pas terrible pour 20 euros. Là, c'est la même qualité que les maillots de bain Little Marcel. Ou des maillots de bain à 70 euros. Vous savez, les... putain, comment ça s'appelle? Les Banana Moon. Voilà, c'est exactement la même qualité, c'est exactement pareil. J'ai déjà porté les maillots de bain, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Ils sont... très très bien, ils bougent pas au lavage. Si vous cherchez voilà des maillots de bain pour partir en vacances, pas très cher mais d'une très bonne qualité qui vont vous durer dans le temps, Cupshe, direct. Cupshe, c'est vraiment la marque de maillots de bain pour moi chinoise qui est vraiment d'une excellente qualité et qu'il faut s'y pencher parce que c'est, je trouve ils sont sous-cotés. La dernière fois vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas des tailles dépareillées, il n'y avait pas de culotte à la taille je sais pas 42 et de soutien-gorge taille S, tu vois, genre des choses comme ça. Et ben ils ont fait sur leur site, ils m'ont envoyé un lien où en gros ils vendaient les culottes séparément, les soutifs séparément. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils se développent, ils s'améliorent et c'est grâce à vous, à vos commentaires en fait qu'ils se développent. Ils font des tailles XS au XL je crois, ou XXL, n'hésitez pas à aller voir aussi. C'est vrai qu'en été on est tous un peu, même moi sans mentir, hein, alors que je suis à l'aise dans mon corps, je suis un peu complexée et tout de mettre en maillot de bain etc. Et je sais pas, avec ces maillots de bain là, ils sont tellement beaux, ils mettent tellement bien en valeur les femmes et les formes des femmes que bah je me sens à l'aise en fait, vraiment je me sens à l'aise. En fait dès que je mets ce maillot de bain là, on voit directement la beauté du maillot de bain plutôt que les petits défauts de mon corps. Après voilà, chaque femme a ses défauts, c'est normal, on est tous des femmes, on a tous de la cellulite, on a tous des vergetures, on a tous de la graisse, on a tous des poignées d'amour, on a tous des... voilà,
on est des femmes quoi, c'est normal. Ça va pas m'empêcher de me mettre en maillot de bain cet été, enfin si je pars en vacances, on va croiser les doigts. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Par contre les tailles partent très très vite sur le site de Cupshe, ça part à une de ses vitesses parce que c'est de la bonne qualité, donc les gens dès qu'ils voient leur taille, et ben ils prennent. Donc si vous voyez un modèle en fait qui vous plaît, n'hésitez pas à le prendre parce que peut-être la semaine prochaine il n'y aura plus votre taille ou qu'il n'existera plus ce modèle parce qu'ils changent régulièrement leur modèle en fait, on voit jamais les mêmes. Donc voilà, j'entends les gosses arriver, donc je vais vous laisser, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.